tu as dit. Cela veut dire quoi? Tes confessions déterminent tes possessions. C'est ce que tu as dit que nous allons faire. Donc, toi, ce que tu dis, c'est ce qui va se réaliser. Alors, tes confessions déterminent tes possessions. Est-ce qu'un enfant de Dieu m'a compris ce matin? Alléluia. Frère, quand tu vois une belle femme, si tu parles en ton cœur pour dire, cette femme-là, je l'aime, il n'y a personne qui le sait, tu ne le dis même pas, tu ne le confesses pas, est-ce que cette femme-là sera à toi? Parce qu'elle n'est pas Madame Soleil pour savoir ce qui est à l'intérieur de ton cœur. Et tu la vois tous les jours, tu souris seulement. Quand tu la vois, tu souris seulement. Quand elle est assise dans le bus, tu ne vas pas t'asseoir ailleurs. Tu cours, tu vas t'asseoir auprès d'elle. Et puis tu ne parles pas. Toi seul, tu vis ta situation, tu meurs seul. Est-ce qu'elle le sait? Mais si tu le dis, ah, ça change tout. Là, elle va commencer à cogiter. Certainement, elle était dans un besoin d'un homme dans sa vie. Mais si tu ne lui dis rien, elle ne te dira pas aussi que je suis occupé. Ou elle ne te dira pas, je vais aller réfléchir. Alléluia. Bien-aimé, j'ai compris qu'en tant qu'enfant de Dieu, si nos vœux, nos désirs ne se réalisent pas, c'est parce que nous n'exprimons pas, nous ne confessons pas ce que nous désirons. Nous le savons, on le met dans notre cœur, on vit avec. Mais Dieu, imagine-toi combien de personnes lui parlent. Et toi, pour toi, là, ça est en toi. Tu ne l'exprimes pas. Donc, tu vois que ton mariage perd du temps parce que tu n'exprimes pas réellement ce que tu veux. Ce que tu veux est de te marier. Mais est-ce que ce que tu veux, tu le dis? Non. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Mon fils, prends Marc 11, 23. Marc 11, 23. C'est la dernière partie qui va m'intéresser, mais on va étudier le reste. Et nous allons comprendre aujourd'hui pourquoi est-ce que nous ne sommes pas bénis. Le thème de mon message, c'est « Vos confessions déterminent vos possessions ». N'est-ce pas? Ok, lisons ensemble. Je lis la parole du Seigneur. Oui. En Marc chapitre 11, à partir du verset 23. Oui. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un a dit cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive. Attends. Regardez un peu. La Bible dit, si quelqu'un fait quoi? Si quelqu'un dit à cette montagne, à une montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Oui. Et s'il ne doute point en son premier cœur. Premier élément. S'il n'a pas douté dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive. Mais croit que ce qu'il dit arrive. Il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. S'il croit que ce qu'il dit va lui arriver, en d'autres termes, il faut savoir que la chose arrivera. Amen, amen. Amen. Mais avant cela, avant de le dire, il faut d'abord que dans ton intérieur, tu crois, deuxièmement tu ne doutes pas, et que tu saches à l'intérieur de toi que ce que tu souhaites vouloir ou avoir ou posséder, toi ce que tu vois, ta vision, là où ton regard va, toi tu n'as pas autre chose dans l'esprit, dans la tête, tu veux te marier à cet homme je le veux, je dois m'habiller, je dois faire en sorte que là où est son entourage, partout où il va, je sois dans les rayons. Tu es dans le processus de ce que tu veux. Alléluia. Mais tu veux te marier à un homme qui est mal habillé, mal mis. Toujours le visage fermé. Le monsieur, il te voit, tu le fais fuir. Mais comment ça va se passer? Rien ne se passera. Alléluia. Alléluia. Mais regarde, la Bible dit, si tu ne doutes pas en ton cœur, comprendre déjà que la première des victoires, si tu ne doutes pas en ton cœur, ce que tu veux réellement avoir est déjà à toi.
si tu ne doutes pas à ton cœur, si tu crois. Donc, première condition pour qu'un enfant de Dieu puisse rentrer dans sa possession, c'est de croire. Dans la foi, ça, la, le croire appelle à la foi, n'est-ce pas? Deuxièmement, il ne faut pas douter. Le doute est le deuxième élément, le premier ennemi d'abord d'un enfant de Dieu. C'était quoi? La peur. Le premier ennemi, c'est la peur d'un enfant de Dieu. Le deuxième ennemi, c'est quoi? Le doute. Dès lors, le doute arrive, la foi prend du recul. Donc, si la foi prend du recul, alors ce que tu veux obtenir s'éloigne aussi parce que ça s'accompagne avec la foi. Amen, amen. Donc, un enfant de Dieu veut posséder. La première des choses, c'est de croire. Amen. Ensuite, quand tu crois, la Bible dit, pour que cela soit à toi maintenant dans ta poche, pour que l'argent soit dans ta poche, il faut exprimer la chose là. Si tu n'as rien dit, rien ne va s'accomplir. J'ai donné l'exemple du mariage. Tu vois une femme, une belle femme, tu ne la dragues pas. Si tu ne la dragues pas, elle ne va pas savoir ce que tu penses d'elle. Amen, amen. Est-ce que je dis la vérité? Alors, il faut la draguer. Donc, vous imaginez, tu veux de cette femme-là, mais tu ne lui as pas dit les choses clairement. Comment elle sera un salut pour toi? Elle ne sera pas de salut. Donc, comprenons qu'un enfant de Dieu, son souhait, c'est d'obtenir, avoir un résultat dans ses projets, avoir un résultat dans ses rêves, avoir un résultat dans ce qu'il appelle salut. Donc, vous comprenez que vous savez ce que vous voulez, mais en réalité, vous ne le dites pas. Ça, c'est le côté positif. Maintenant, je vais prendre le côté négatif. Tu es parti, tu dors. Dans le songe, quelqu'un est venu t'accuser. Quelqu'un est en train de te maudire ou quelqu'un vole tes bénédictions. On t'arrache ton argent, on t'arrache ton mariage. Et la personne dit de proférer des paroles négatives contre toi. Tu te réveilles avec ces paroles et puis tu ne dis rien. Ça agit sur toi. Alléluia. La parole que Dieu nous a donnée, Dieu nous a donné. Il nous a donné deux solutions, la vie et la malédiction. Alléluia. Donc, quand tu proclames les bonnes choses, c'est pour t'apporter la vie. Mais quand quelqu'un te confère les malédictions, tu retournes les mêmes malédictions contre la personne. D'abord, tu refuses. Tu renonces. Tu dis, c'est pas de moi que tu parles. Entre toi et moi, il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'alliance. Moi, je déclare que ce que tu m'as dit quand je dormais, maintenant que je me suis réveillé, Dieu m'a donné l'autorité de proclamer sur toi la mort. Et tu meurs au nom de Jésus. Je retourne à l'envoyeur. Frère, si tu ne déclares pas ces paroles, quand tu te lèves le matin, elles influencent ta journée. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ou la nuit, des personnes viennent coucher avec vous, qu'on appelle communément des hommes ou des maris de nuit. Tu te lèves le matin, je suis tout. Amen. Il faut refuser cette situation. Tu refuses la situation. Amen, amen. Il faut la refuser. Et tu déclares le divorce. Tu déclares la séparation. Tu coupes même ce qu'il a pris pour t'utiliser contre toi. Tu envoies le feu là-bas. Et tu lui déclares la mort. Parce que tant qu'il vit, tu n'auras pas la paix. Frère, le combat que nous menons n'est pas un combat physique. Il est totalement spirituel. Et c'est dans le spirituel tout se fait. Mais si vous ne déclarez pas les choses agissent sur vous et ça influence le mois, le jour, l'année. Et tu vis que de désolation en désolation, d'échec en échec. Quand vous voyez des personnes qui, toutes les nuits, des hommes ou des maris de nuit viennent coucher avec vous, c'est difficile d'avoir une relation stable. Un mariage en paix, c'est difficile. Alléluia. C'est cela, les amants de votre vie. Qui est dans la cour? Quand il est dans ta vie comme ça, il est dans ta cour. Donc ta cour est toujours influencée dans le négatif. Et si toi, tu ne prends pas l'autorité pour proclamer la positivité en toi, les choses se manifestent. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce matin? Maintenant, une chose est de croire. Alléluia. Que devons-nous faire? Une fois
nous avons eu la foi. Alléluia. La foi, c'est ce que vous voulez comme réalisation. La foi est attachée à ton mariage. La foi est attachée à tes papiers. La foi est attachée à ton travail. La foi, parce que la Bible dit, il faut d'abord croire, ne doute pas. Donc on comprend que pour que tu puisses obtenir le salut, il faut d'abord croire. Donc la foi est attachée à ce que tu souhaites avoir. Tes rêves et tes réalisations dépendent de l'état de ta foi. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Sinon, ça ne sert à rien de venir s'asseoir à l'église. Alléluia. Alléluia. Maintenant, une fois tu as la foi, il faut maintenant exprimer. La foi doit s'exprimer. La foi doit s'exprimer. Alléluia. Si ta foi ne s'exprime pas, les grâces, les bénédictions, les promesses qui sont sur ta vie stagnent. Elles ne peuvent pas venir. Parce que ta foi ne s'exprime pas. Ta foi ne parle pas. Ta foi n'appelle pas à l'existence qui n'existe pas dans ta vie. Je dois me marier quand tu te lèves le matin. Je dois travailler quand tu te lèves le matin. À chaque moment que tu as le temps de proclamer, d'exprimer ta foi, dis-le, n'aie pas honte. Proclame ta foi. Quelqu'un te dérange dans ton travail, aïe, il est chrétien. Et puis quelqu'un le dérange dans son travail. Mon frère, ta foi est où? Fais exprimer ta foi. Tu dis, je ferme ta béante. Quand quelqu'un te fatigue trop, ça n'est plus une gueule, ça devient une béante. Ta béante là, je la ferme, je te ligote. Là où je suis assis dans mon bureau, tu mon poste, toi tu ne me frayeras pas. Je proclame maintenant que tu es orienté ailleurs. Tu dois quitter là où je suis. Parce que là où je suis, c'est l'Éternel des armées qui m'a mis là. Toi tu es qui pour influencer mon travail? Alléluia. Bien-aimé, pareil pour ton mariage. Je vois des personnes qui laissent les ennemis, les amants, rentrer dans leur mariage. Qui est dans ton mariage? Tu le connais, mais pourquoi tu dors? La foi s'exprime. La foi est déterminante. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, oh, mes enfants, est-ce que vous connaissez réellement Dieu? Dieu, il est en toi. Ce que tu exprimes, Dieu écoute. Et quand ta foi est exprimante, Dieu réalise tes vœux. Ce n'est pas un prophète ni un pasteur qui va venir réaliser. Nous allons voir tout à l'heure. Nous servons à quoi, nous, pasteurs? Nous servons à vous révéler Jésus. Jésus qui est la tête, qui est l'incarnation de la foi. Et qui appelle à l'existence de ce qui n'existe pas encore dans vos vies. Alléluia. Nous venons vous présenter Jésus. Et on vous montre le chemin, comment par Jésus obtenir ce que nous souhaitons réellement avoir. Gloire à Jésus. Frère, nous souffrons aujourd'hui dans ce pays qui est la France. Nous qui sommes venus à l'aventure. Si tu n'as pas la foi qui s'exprime, ta grâce est sur toi, mais elle dort. Parce que vous tous qui êtes arrivés ici, sur vous il y a des promesses de grâce. Mais parce que vous n'exprimez pas ce que vous souhaitez, les choses la tombent. Vous souffrez. Un enfant de Dieu ne peut pas quitter chez lui, peu importe le pays d'où il vient, pour venir dormir ici dans les taudis. Non, ce n'est pas normal. Parce que là où tu étais, tu as le terrain, tu peux même dormir partout. Mais tu arrives ici, tu es dans les petits coins, tu ne travailles pas, rien n'arrive à toi. Pourquoi? Parce que ta foi n'est pas exprimante. Lève-toi un jour, commence à exprimer ta foi, commence à parler, commence à réclamer les choses sur toi, commence à te bénir toi-même. On va voir si ça ne va pas changer. Alléluia. Frère, tant que tu ne te lèves pas, le frère qui est en train de prier, tu dis, il prie pour moi, reste là. Non, moi quand je vais à l'église, tout se passe dans mon cœur. Dieu même qui m'a créé, il sait ce que je vis. Faut pas parler. Faut pas parler. Faut rester là. Non, non. Levez-vous pour prier. Non. C'est dans le cœur. Mon Dieu, là, il sait ce qui se passe dans le cœur. Donc, moi, il parle pas. Faut rester là. Amen. Dieu a changé.
Il a envoyé beaucoup de courants spirituels, tu en peux dire. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le premier courant que nous avons connu, c'est nos frères d'à côté. Ou quand tu vas, allez-vous, levez-vous, vous asseyez, le prêtre prend la parole, il commence jusqu'à il finit. Amen, vous sortez. Vous n'exprimez rien. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et après, il a envoyé un deuxième courant qu'on a appelé le courant méthodiste, le courant évangéliste, le courant qui s'exprime, qui prie avec vie, avec autorité. Et vous allez voir que dans la différence des choses, surtout là où on parle de démons, le démon ne peut pas s'asseoir là où on proclame la parole et la puissance de Dieu. Il ne peut pas s'asseoir. Non. Là où il y a la tranquillité, la douceur, la paix, il est assis là bien. Donc 20 ans que tu es à l'église, 20 ans ta vie est bizarre. Parce que tu ne proclames pas. Prie, tu ne pries pas. Quand bien même des gens sont là pour dire, répète après moi, tu ne répètes pas. Tu penses que tu fatigues qui? Tu te fatigues toi-même. Aman a assis dedans, dans ta cour. Il est assis bien sur toi. Jésus a dit à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Alléluia. Il fallait que Jésus ouvre la bouche, prie pour Pierre. Pour que la vie de Pierre soit acceptée de malédiction. Mes enfants, il y a eu des choses auxquelles vous avez droit. Vous êtes des ayants droit. Vous êtes en cohéritier dans le royaume avec Jésus. Ce que Jésus a, vous l'avez. Et la Bible dit, Jésus a dit, soyez mes imitateurs. C'est vrai, on ne sera jamais comme Jésus. Si tu es comme Jésus, ça voudrait dire que tu es blanc comme neige. Tu n'es pas né d'une femme, ni d'une chair. Mais il a dit, soyez mes imitateurs. Donc nous ferons toujours des espoirs pour aller vers Jésus. Mais on n'attendra pas la statue parfaite de Jésus, jamais. C'est ce que ça voudrait dire. Soyez mes imitateurs. Mais qui un jour peut se lever pour proclamer la parole, confesser la parole? Les vies sont dans les liens. Vous attendez qu'on vous fasse des délivrances. Après la délivrance, tu dors. Pourquoi? Lève-toi. Lève-toi à 4h du matin, commence à prier. Et on va voir si ta vie ne va pas changer. Lève-toi à 5h du matin. Prive-toi pour ton avenir. Pardon, prive-toi. Moi, je ne connais pas quelqu'un qui se lève le matin, qui jeûne, qui prie et qui a la vie toujours bloquée. Non, ça n'existe pas. Mais vous attendez. Quand tout va bien, boum, on dort. Dès que vous voyez le village et Satan, là où vous vous levez pour prier. Quand ils ont fermé la porte du travail, papa, je ne travaille plus. Mais non. Alléluia. Maintenant, mon enfant, je veux ouvrir ton esprit ce matin. Est-ce qu'un enfant de Dieu me comprend? Je veux ouvrir ton esprit ce matin, n'est-ce pas? Alléluia. Les rêves, c'est un droit. Les projets, c'est un droit. Amen. C'est des promesses qui sont sur toi. Mais si tu veux voir les promesses s'accomplir, il faut ouvrir la bouche. Amen. Tu veux voir les promesses accomplies? Pardon, ouvre la bouche. N'est-ce pas? Nous disons Romains 10, à partir du verset 10b. Ou même verset 10. Romains 10, 10. Mm-hmm. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Oui. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Très bien. Attends, mon fils. Regardez la différence. Nous parlons de quoi? De la justice. En croyant du cœur. Du cœur. Si tu crois, l'ennemi, quand il veut t'atteindre pour te détruire, comme le cas de Mardoché, Mardoché avait la foi. Et Mardoché était un homme correct, intègre et juste. N'est-ce pas? Dans lui, son intégrité et la foi qu'il avait dans son cœur lui a donné quoi? La justice. Est-ce qu'on voit la différence?
La foi, c'est bien, ça t'accorde la justice. Mais ce qui te donne la vie pour manger, pour avoir le travail, la maison, la voiture, la prospérité, c'est ce que tu confesses de la bouche. Amen. Au lieu de prendre le temps à faire palabre, tu prends ta bouche dans les injustes, dans les injures, calomnie, pardon, sors de là, prends, confesse sur toi, confesse sur tes enfants. Prends ton mari, dis, mets-toi à genoux. Et puis tu confesses sur lui les bonnes choses. Prends ta femme, mets-toi à genoux. Tu confesses sur elle les bonnes choses. Toi-même, ta maison, tu confesses sur ta maison les bonnes choses. Ton travail, tu arrives, tu confesses les bonnes choses. Quand on veut chercher quelqu'un pour promouvoir, c'est toi qu'on va prendre. Tu as un patron, tu ne pries jamais pour lui. Tu maudis ton patron. Tu maudis la France. La France qui te donne à boire, qui te donne à manger, qui te donne à travailler, à dormir, tu la maudis, mais tu n'as rien compris. Alléluia. Tu dois confesser les bonnes choses pour la France. Ton patron, tu dois confesser les bonnes choses pour ton patron. Tu dois prendre dans l'année au moins un jour de jeûne pour ton patron. Le travail qui te donne à manger, tu ne pries pas pour ça. Amen. Amen. Mes enfants, le secret de la grâce, c'est dans la bouche. La grâce, c'est les bénédictions. C'est des promesses qui sont sur les enfants de Dieu. Mais parce que nous ne savons pas comment il faut les utiliser. C'est pour ça ce matin, continue un peu ma vie. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Oui. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui est dit, selon ce que dit l'Écriture. Amen. Selon ce que dit l'Écriture. Amen. Amen. Donc vous regardez, quand vous croyez en Jésus. N'est-ce pas? Donc le fait de croire en Jésus, on appelle les choses bénies dans notre vie. Maintenant, pour qu'elle soit dans l'accomplissement, dans la corbeille, n'est-ce pas? Pour qu'elle soit dans la corbeille, il faut maintenant que nous ouvrons la bouche pour parler. C'est vrai ou c'est pas vrai? Regardez la parole. Amen. Mes enfants, vous souffrez parce que vous n'expérimentez pas le Jésus que vous avez en vous. Allez-y avec Jésus. Frappez à des portes, frappez à des cœurs. Je vois des gens qui sont là, qui sont en âge de se marier sur tous les hommes et qui ne sont pas mariés ici dans ce pays, en célibataire. Pourquoi? C'est que tu as un problème. Expérimentez Jésus. Allez frapper à des portes pour ceux qui ne travaillent pas. Frappe à une première porte, si elle était fermée, va frapper à une deuxième, elle te sera ouverte. Jésus, ce matin, je vais chercher du travail. Je dois nourrir ma famille. Et tu vas voir, on va voir si Jésus ne va pas te donner du boulot. C'est encore pire quand tu as les papiers et puis tu n'arrives pas à avoir un travail. Donc, il y a un problème. Viens, on va se voir. Amen.